Yes, salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui, c'est l'entreprise de transporteurs Savoyard, on est 4 chauffeurs, on a le Patou bien évidemment, salut mon Patou. Et bonjour Julien, bonjour à tous. Avec son Merco, on a Erwan avec son Scania, salut Erwan. Salut. Et on a Ranma 1,5 également en Scania. Salut à toi Ranma, tu es pas sur le TS, malheureusement on n'a pas eu le temps de se mettre en place, on devait être en live, bref, c'est la merde, c'est comme d'habitude, c'est le Savoyard, ouais. Et puis moi je serai en Renault McDonald's tout simplement. Allez, on y va, on va se lancer, on va aller chercher une petite livraison. Hop, on va se mettre en vue intérieure, c'est comme ça. Non, c'est allez, comme passe, ça. Ouais. Okay. C'est comme ça. Et puis on va essayer de trouver quelque chose. Donc je suis avec le Trackier, donc regardez, normalement, si je... Normalement, je dis bien... Voilà, si je tourne la tête, il était désactivé, si je tourne la tête à droite, hop, je regarde mon rétro, si je tourne la tête à gauche, c'est exactement l'inverse, hop, je regarde mon rétro, et si je sors la tête par la fenêtre, hop, je vois pas tout s'affuir, et tu seras décoiffé. Ah, je sors la tête par la fenêtre, est-ce que vous avez vu ou pas? Résultat des courses, est-ce qu'on a des entreprises? On en a une sur la droite, je crois, donc on est sur le serveur Europe 2, ETS 2 en multi. On va essayer de se faire une petite livraison. Hop, je regarde la montre, ça se voit, mais on voit pas la main. Allez, allez, let's go. Let's go. Pas à peine de klaxonner. Ta gueule, connard. Ta gueule, colo, va. Colo. Et oublie pas de t'abonner, allez, colo. C'est va. Parti, va. Allez, hop, on y retourne. Donc, à droite, normalement, il y a une entreprise, là, je crois. Hein. Ouais, on va essayer de voir là, éventuellement, si on a de la cargaison ou pas. J'ai mis mes feux, moi, non? Il me semblait que j'avais juste mis les veilleuses. Alors, hop, il y a au moins 4 remorques. C'est déjà bon signe. Ça va. Alors, en offre de fret, ça va être plus compliqué que la dernière fois. Plus facile que la dernière fois. J'ai du Genève, du Torino, du Bourges ou du Rennes. Qu'est-ce oh, que... Rennes. Qu'est-ce que vous avez... Torino. Il est Torino. Bah après, faut encore... Faut-il que tout le monde ait le DLC italien. Le DLC italien, ouais. Donc, allez, on va dire pas Torino, alors. Et vous avez quoi? Vous avez tout ça aussi ou pas? J'ai tout. T'as Genève, Bourges, Rennes, etc. Bon bah écoute... Genève, ouais, j'ai, moi Genève, y'a pas de soucis. Hein. Ouais, pas tout, t'as Genève Genève, Lyon, moi j'ai, c'est tout. Genève et Lyon, bon bah écoute, Genève pour tout le monde, alors, et est-ce que quelqu'un peut écrire à Ranma sur le machin, lui demander s'il est à Genève, par hasard? Qu'on voit. Vas-y, qu'est-ce qu'il a, lui? Vas-y, qu'on vas-y. Voit. Ouais, bah vas-y, bon, j'ai pris Genève, moi, de toute façon. Allez, Genève, faire. Première émission. C'est bon, je lui ai mis sur... Okay. C'est bon, allez. Qu'est-ce qu'il nous casse le beignet, lui? Qu'est-ce qu'il nous fait chier, ce connard là? Casse-toi. Mais casse-toi. Qu'est-ce que tu fais chier? De toute façon, tu peux le virer, non? Ah non, mais après, s'il veut suivre, il suit, on s'en fout, de toute façon. S'il veut sucer la bite, c'est rien. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Faut juste espérer qu'il n'est pas allé dans le long. Par contre, moi, je serai en contrat externe, donc je suis brûlé des 90. Non, non, mais de toute façon, on essaie de rouler propre à 90. Hein, ah ouais, on respecte. 90, respecte. 92, quoi, et 93. Ils sont pas passés chez Mendes, là. Ouais, non, ceux-là, ils sont pas... vas-y, vas-y, pas. C'est bon, moi, j'ai pris l'armoire. Qu'est-ce que j'ai l'impression que je fais des bons, non? C'est bon. T'as un camion de merde, change ton skin, vas-y, là. C'est pas ça, que... c'est pas ça, c'est pas ça. Allez, hop, là. T'as des tuyaux, Juju? Ouais, j'ai pris des gros tubes de je sais pas quoi là. Vous avez pris quoi là? Vous avez... Y'en a qui a une caisse, une benne. Moi une... c'est des saucisses. Oh Genève. Mon dieu, de la saucisse. Moi de l'anguille. De l'anguille, c'est des, des frigos là vous avez, non? Ouais, c'est des frigos. Ouais, des frigos. Ouais, ouais. Ranma, il a quelque chose ou pas alors? T'arrives à se replacer, on va lui laisser la place. Allez, on va sortir un petit peu, voilà, de toute façon, comme ça, ça sera déjà fait. Non, peut-être faut que je refoute sur cette touche là pour me refoutre à l'intérieur. Ça se passera à droite, ok, allez, on y va. On va déjà se foutre. Moi, à gauche, je dois partir, moi. Moi, à gauche. À gauche, Juju. Comment ça, à gauche? Bah, moi, il me fait partir là, il me fait revenir à gauche après. Bon. Ah bon? What your destination? Ouais, ouais, bon, bah, écoute, de toute façon, on va tous à Genève, on est d'accord, hein? Ouais, 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 ouais. Bon, alors. Bon, ah, suite, ouais, non, mais je sais, parce que j'avais dû peut-être mettre. J'ai mis pas les autoroutes, moi. C'est ah, d'accord, pour... okay. C'est peut-être pour ça. D'accord. C'est peut-être pour ça. Tout le monde est... Bon, on suit, allez, on s'en fout. Ouais, 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 bah de toute façon, on ira tous au même endroit. Hein. On est à bah, on va tous au paradis, hein. On est... ouais, ouais, exactement, on finit tous dans la caisse. Allez, c'est parti, What's Your Destination. Mets-lui, Torino. Mets-lui, Torino. Attends, je vais monter le son dans le casque un petit peu, normalement, parce que ça fait pas trop de bruit. Attendez, il y a Ranma, il nous suit ou quoi? Ouais, il m'a dit, on m'a dit filer, alors je file, hein, je file. Filèche, filèche. Je filèche, je filèche. Mais vous faites que du contrat offre de fret? Vous faites pas d'externe?
Oh, ça dépend, ça dépend. Ouais, bah, ça dépend, ça dépasse. J'ai pris le premier qui venait, moi, enfin, tu sais. Nous, on cherche pas la complication, c'est pas tout. Hein. Ah non, non, mais je ne vois pas des petits garçons, vous allez directement dans plus les plus c'est mais... simple, mieux c'est. Voilà. À tout point de vue. Ouais, hein, on est d'accord. Alors, Ranma suit ou pas, alors? Moi, j'ai personne là. Parce que... Ah, salut, si, gars. Si, il est parti. How are you, Rice Card First, man? Salut, hello, how are you? N'oublie pas de t'agonner, Kono. Ouais. J'ai un monsieur qui arrive à fond derrière moi, ça doit être lui. Ah, mais vous lui avez mixé Torino, parce qu'il a dit merci, quand même. Un feu rouge. Ah, le type, il va dire, mais c'est qui ces enculés, là? Bon, allez, on est parti. C'est bon, il est derrière nous. Il me semblait qu'il arrivait, hein. Il me semblait qu'il était parti, ouais. Il me semblait qu'il était parti. Comment on enlève ce putain de chat là, Erwan? Y. Player near you to you. Ah, c'est Shift. Shift? Shift. Merci. Sur le rétro? Ou Tab, ouais. Shift. Shift Tab. Ouais, Tab, on s'en fout. Tab sur la table. Ouais, il passe au vert ce cono ou quoi? Ah, mais de toute façon, je suis arrêté plus loin, moi, y'a pas de soucis. Ah, attends, d'accord, hop. Ok. J'ai Drink Monster derrière, putain, je vais lui reculer dessus. Oh putain! Oh putain, il va me gueuler dessus, il dit hop! Allez, mon dieu, c'est quoi ce cono? Allez hop! Tu es Erwan, ouais? Bah ouais, moi y'a pas de soucis, t'inquiète. Allez, pas. Ça roule. Moi j'y suis parti, j'ai pris la route, voilà. Donc, bah comme ça, au moins ça vous permettra de voir, les gars, puisque vous regarderez peut-être la vidéo, cette histoire de traquière. Donc, pour ceux qui ont déjà une. Voilà, je reviens dessus un petit peu, mais pour ceux qui ont déjà une. Une webcam, il y a même pas besoin, ça coûte 20 balles, hein. Franchement, ça coûte 20 balles et regardez, hop, j'ai envie de regarder. Ah, moi, je vais le prendre. J'ai envie de regarder. J'arrive pas à tourner, c'est la folie. Hein. Ah, hop, hop, attention. Ouais, je te vois. Je me fais doubler, mais c'est normal. Vas-y. Avec la manette, j'arrive pas à tourner, c'est la folie. Hein. Drink Monster, mais c'est un français, FR, les LRDN, je pense, ouais. Bon, nous, on est plus ou moins bien équipés, plus ou moins bien organisés, donc... oui, bien sûr. Bah moi, Julien, le traquière, ta vidéo va me rendre... Ah non, mais tu vois, je vais essayer d'être... voilà, après, une fois que c'est bien paramétré, mais franchement, là, hop, j'ai envie de valiser. Hop, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas derrière? Non, je suis sorti la tête, faut que je me recoiffe. Sors le peigne! Sors le peigne! Tu serais comme moi, tu serais pas emmerdé. Sors le peigne. Plus besoin des rétros à l'intérieur affichés, t'as juste à tourner ton petit museau, là, pour regarder ce qui se passe. Bah moi, en tout cas, c'est vrai que je suis chauffeur, j'ai le réflexe de le faire, peut-être, pour tourner la tête. Mais non, mais tu verras, tu regarderas. En plus, c'est fluide hein, au niveau de la caméra, il n'y a pas de saccade, il n'y a pas de rien. Je peux regarder mes genoux, hop, je me regarde la bite, hop. Mais par contre, je suis cul de jatte parce que j'ai pas de jambes, pas de bite, quoi. Ah mais ça c'est merdant. Je suis sorti à droite, les gars. Hein. Ouais, mais on voit ton point. On te voit. Drink Monster me dit Mich Stuttgart. Ouais, bah Mich Stuttgart. Ouais, bah fais ce que tu veux, nous, fais pas chier. Arrête de lui casser. Regardez-les s'ils sont beaux là-bas. Putain, j'espère que je vais tout droit moi. Ah, ils sont 3. On est 4. On est tous chargés. Et on est à peu près tous, a priori, au moins 3 sur 4. Ranma, on sait pas exactement, mais sur Genève. Mais par contre, Ranma, allez, il faudra qu'on lui donne le. Aïe. Qu'on lui donne le TS pour la prochaine. Allez, on va tranquillement y aller. En plus, c'est le matin, 6h57. Oh, on a pas bu le café, les gars, avant de partir. Ah, va s'arrêter, prendre la goutte. J'ai mis le nez dans la culotte là, Patrick. Hein. Désolé. Je peux pas tourner, désolé. C'est très très lent. Il va tout droit. On dirait un John Deere. Arrête. Putain, mais c'est pas possible. Même sur un TS2, il nous en parle. Partout. Même sur un TS2, il nous en parle. Est-ce que vous avez vu quand même l'espèce de barge avec le nombre de John Deere qu'il y avait? Non, je regarde pas. Alors, ces merdes. T'as liké même, je peux te dire. C'est normal, tout ce que tu mets, je like. Ah, oh là, il est sympa. J'ai vu un Peterbilt hier soir en JD, mais magnifique. Ah ouais, non, mais ça classe, hein. C'est claqué. Ah, ça claque. Ça claque. Ils arrivent ou pas, les conos, là? Parce que je les vois pas. T'inquiète pas, mon poulet, on arrive. Oh, vous arrivez ou bien? Qu'est-ce qu'il se passe? On va venir te sentir la culotte, bouge pas. Ça va ou bien? Viens me renifler la culotte, bonjour. Ça commence à sentir le camembert. Culotte sale en plus, hein. Oh ben Dieu. Hey, je suis à 50 les gars et je vous vois pas venir hein. Je suis à 5 km/h moi pour te rattraper. Tu rigoles? À 90. Ah, parce que je vous attends, je roule tranquillement. Hey, je suis là. Je suis sûr de pas me prendre de prune. Ah oula, je vois un point vert débouler là, il va me doubler. Il va me doubler, mais il y en a qui peut passer devant à la limite, hein, y a pas de soucis. Hein. Après, je sais pas si vous avez la même direction, enfin la même direction, oui, mais en tout cas, oui, le même chemin. Pas évident, ouais. Est-ce que vous, il vous dira pas? Oh, ça déboîte, ça y est. Ah, ça déboîte? Ouais, bah attends, je me remets. Je les vois dans le rétro, vas-y. Ça déboîte. Vas-y. Ouais, Dieu, il y a un russe qui arrive, fais gaffe. Ah, voilà. Fais gaffe, plein de vodka, il est sous.
Fais pas le malin avec ton Scania. Oh le virage, oh le virage. C'est ça qui est bon, on peut regarder tranquillement là. Oh putain, virage serré et tout. Regardez-le faire lui. Oh ah, Joe, il me revenait dessus. Et la ligne blanche. Et le mec qui te dit, oh moi je peux pas rouler pour 4 points. On joue RP ou on joue pas RP? J'ai joué RP. Hein, tu jouais RP, tu doublais sur la ligne. Ah mais c'est vrai qu'on n'est pas en Italie, une ligne blanche c'est bon, ça double de ligne blanche. Oui, tu peux doubler, ouais. Hein, c'est ça, hein, c'est l'idée c'est celle-là en fait. Mais franchement, DLC Italie, j'ai roulé un petit peu hier, j'ai été jusqu'à Pescara, je crois. DLC. Et j'ai pris les petites routes, tu vois, justement, c'est exprès, j'ai mis truc. Ah putain, ouais, c'est carrément différent. Les petites routes. Oh, les bleds et tout, t'attaques dans la montagne là-bas, un peu dans la. Merde, comment ça s'appelle déjà? L'Emilia Romagna et tout. Oh là 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 là, c'est joli, hein. Franchement, c'est joli. Ah, j'ai essayé aussi, hein. Franchement, j'ai pris un pied dessus. C'est pour ça que j'ai enlevé le truc de prendre les autoroutes systématiquement. Les autoroutes, ouais. Ça te fait prendre d'autres routes que, bah, que tu prends jamais d'habitude. Bah, c'est mieux que l'autoroute, c'est monotone. Hein. Bah, c'est monotone, ouais. Après, c'est sûr que c'est plus simple parce que t'as pas rétrogradé en permanence, etc. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, mais c'est pas grave, en boîte automatique. Ah, mais le matos que t'as, tu peux t'en foutre de rétrograder, toi. Ouais, bah, non, mais enfin, moi je prends plaisir avec mon manche là. Y'a pas que toi qui prends plaisir en vélo. Tu joues en quoi? En éventail normal. En éventail normal, ouais. Je suis en. T'as essayé en éventail fractionné? Ah, c'est quoi, c'est 1, 3, 5, etc. Ouais. Parce que en fait je suis en éventail normal mais je passe 1, 3, 5, 7, mais comme ça ouais, j'aime bien toutes les avoir moi en fait. T'as cela, puis après t'as aussi ce à étage avec les gammes et tout. Moi je fais j'ai donc éventail sur deux niveaux avec avec un shifter derrière, je passe le niveau sup en fait. Donc ça va pas mal. Mais non, je joue en automatique. Bon, après, quand tu peux pas faire autrement, tu joues en automatique. Mais c'est vrai que non, voilà, avec tout le matos que j'ai, si je joue en automatique, je suis un débile, quoi. Ah, c'est clair, ça serait un débile. Ça serait vraiment ballot. Mais bon, après, pour éviter de te faire chier, c'est sûr qu'en automatique, t'appuies sur l'accélérateur, le frein. Oh, ben Dieu, qui c'est qui klaxonne? Bon, bah, enfin, en tout cas, on sera navré. Excuse-moi, Erwan, je te coupe. On sera navré pour le live parce que. Compliqué. S'il n'y a pas de chat, pas de live, quoi. Il n'y a pas d'intérêt, quoi. Ouais, YouTube qui ne voulait pas fonctionner. Ouais, donc là, ça venait pas de moi. Pour une fois, ça venait pas de moi. Hein, donc on retentera un autre jour, bien évidemment, mais tranquillement. Mais là, effectivement, non, ça n'a pas voulu le faire. Oh, bah, Dieu, il y a ClassDX69 qui est en train de charger là, avec sa machine. Oh, bah, Dieu, salut, Jeannot. Jeannot, si vous n'êtes pas content, je vous emmerde. Ah, grosse dédicace à ClassDX69, bien évidemment. Je sais pas si vous avez regardé, les gars, il en a fait une récemment là, de TS2. Franchement, je suis plié du début à la fin quand il joue à ce jeu là. Franchement, moi, c'est toutes ces vidéos, je suis plié. Il est magnifique. Sur TS2, il est encore pire que sur Farming. J'adore. Ah, ouais. J'adore aussi. Hein. J'aime donc, n'hésitez pas. ClassDX69, allez faire un tour sur sa chaîne. Pardon, ah, ouais, franchement, il est vous abonner. Génial, ouais. Il est génial. Il y a de quoi faire, il y a de quoi se marrer. C'est différent de nous, mais voilà. Il a son style, et en tout cas, son style me plaît bien, moi. Moi aussi, question fuel, non, je suis bien. Et puis, de toute façon, on est tranquille, on a encore 26 km. Donc, on est plutôt pas mal. Oui, oui. On est plutôt pas mal. Ça va le faire. Oh, as-tu testé le jeu de pêche, le Russian Fish? J'ai attaqué hier soir doucement. Il est magique. Ouais. Franchement, bon, après, je suis pas grand spécialiste de pêche. J'en ai pas fait beaucoup. Mais je te redonnerai encore une autre chaîne YouTube, le mec il a fait 6 ou 7 vidéos. D'accord, ok. J'ai commencé à regarder en français, le mec c'est un spécialiste de la pêche. Hein, le mec, tu sens que tu sais de quoi le il cause. Le mec il sait de quoi il parle. Ouais, il sait de quoi il cause le Gugus. Hein. Donc non, mais bien, je te redonnerai le lien. Ouais, donc jeu gratuit, Russian Fishing 4, jeu gratuit en téléchargement. Franchement, ça peut le coup si vous aimez la pêche. Donc on y viendra avec Patou, on fera une ou deux vidéos. Ouais, moi je l'ai installé aussi. Ouais. Et sur Steam? Non, c'est pas sur Steam, il faut. Je t'enverrai le lien, Orwan. Non, mais j'ai vu ton lien sur ta chaîne, mais je suis là. Mais c'est un jeu à part, non, c'est pas du tout sur Steam. Et franchement, bien de la balle, quoi. Ouais, niveau graphisme. Chez Saphir & Co, on est quelques-uns à jouer au jeu de pêche. Donc, ouais, je vais leur en parler aussi. Transmets-leur l'info et pourquoi pas. Ah ouais, je vais en parler à Chino, à VTT et à Saphir. Un jour ensemble, ça peut être. Ça fait 8 gigas, je crois, le jeu. Après, c'est pareil, hein, si vous cherchez du monde sur The Hunter, on l'a quasiment tous, nous, sur la team. Bah, si ça fonctionne bien à plusieurs, ouais. Si c'est stable à plusieurs, voilà. Bah, faudrait qu'on essaye, on pourrait vous redonner avec, la réponse. Avec plaisir, bien évidemment. Moi, je livre à gauche, les gars. Moi aussi. Bah, moi aussi. Bah, écoute, c'est... Ah, bah, on va tous au même endroit, finalement. C'est plutôt pas mal. Je sais plus. À Poped, c'est ça. Oh, Poped, poussez-vous, laissez passer. Les connards arrivent, poussez-vous. Hop, regarde dans ton rétro si ça passe derrière. Ah, merde, c'est là que je me gare, moi. Oula, hop, va Dieu, va Dieu, va Dieu, va Dieu, route saute, hop, 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 hop,
Bon, on a fait un stationnement un peu chelou. Allez, on fait ça carrément RP, tout en vue intérieure, hein, regarde ça. Maurice, ça passe derrière. Regarde ça. Vas-y, recoule, recoule. Sors la tête par la fenêtre. Ça, c'est magique, par contre. Impeccable, et normalement, ça doit faire... Ping. Voilà, c'est bien, merci, Front Park. On dételle. Merci, monsieur, dame. Ça devrait être pas mal. Allez, hop. Donc on va couper celui-ci en attendant, le temps que ça se mette tout en place. Niveau 26, ouais bon, j'ai cheaté hein, bien évidemment. Avec, avec 998 millions, c'est cheaté, on est bien d'accord. 998. 998 millions, est-ce qu'on a... Non, on fait chier, par contre sur le multi on peut pas sélectionner les... Donc on est bien, si on arrive à se faire une petite livraison encore là, 30, on est plutôt pas mal. Enlève ton frein de part. Ah Kono. Purée, pour manœuvrer, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah, ça va être un peu chaud la manœuvre. Hein. T'inquiète pas, pas tout. Je veux mon volant. T'as pas pu l'amener là-bas, à Toulouse ? Non. Faut aller le chercher, putain. Ah, de toute façon, il va y avoir son successeur, là, au mois de janvier. Ah, bah c'est bon, alors, t'en fous, là. Pas besoin d'aller chercher le G27. Laisse le G27, il y aura un G27 à vendre, les gars, bientôt. Ah, il est vendu. Ah, il est déjà vendu. Ah, déjà, merde. Oh, vendu, le salopard. C'est Vince qui me l'a demandé, déjà. C'est Vince qui prend. Bon, bah, tant mieux. Alors, voilà. Attention, Erwan, je recule. Chez Post Speed. C'est pas en collision. Chez Post Speed, les gars, j'ai Lyon, Marseille et München, Munich. München, ouais, Munich. München. Alors, on va aller voir les jolies bavaroises. Qu'est-ce que ça fait 534 bornes vous avez pas Marseille? Ah, on va aller voir les cagoles. Ouais, parce que sinon ça va peut-être faire 518. Ça serait plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Marseille. Marseille, tu vois? Bon, ouais. Bah écoute, vendu pour Marseille. J'ai transporté du caoutchouc naturel. Ça fait plaisir. Des conserves de bœuf. Ouais, allez, hop. Alors, où est-ce que ça se passe? Je pense que. Bah, on va voir Koulaye. On va recoulao, Allez, on va faire péter la R3. Hop, tout à la tête dehors, ben Dieu, c'est pas beau ça, pousse-toi pas tout. Allez. C'est du RP. Tout va bien, ça. Regarde ça, allez hop, ça c'est RP ça, ouais. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez pris comme destination? Alors Marseille. Marseille. Est-ce que tu as Marseille? Pareil si dans le chat, ouais, si vous pouvez le dire à Ranma. Hop, non, j'ai Zurich, Genève, on va voir sur l'autre. On va voir si c'est dans les contrats externes. Bien, Erwan, merci. Parfait. Non, Zurich, Dijon, j'ai pas Marseille. Zurich, Dijon, on va. Il devrait certainement y avoir d'autres entreprises, on va y jeter un œil. Attends. Offre de fret. Zurich-Genève. Attends, on se met la carte. T'as allé chercher une autre. Il doit bien y avoir d'autres entreprises dans le quartier. Voyons où est cette affaire. Si tu repars à gauche. Enfin, il y a un monde là-bas à Trado. Ouais, bah j'y suis. Il y a 50 points. Il y a 50 points là-bas. Oh la vache. Et alors, on est là, à droite, à droite. Pas que c'est à gauche. Ouais, c'est bon, t'es aussi doué que moi avec tes mains, quoi. À droite, à gauche, ouais. Pas avec les mains, mais avec le reste, mon pauvre. Tout va bien. Oula, il y a Celebrity Club qui nous dit Zumba et Fasheba, ok. Ouais, aussi, ouais. Il y a Volt. Yeah, it's good. Allez, on est parti. On va aller les rejoindre par là-bas, de toute façon. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Oh la vache, oui. Oh là, il y a un pilote là, le mec avec un 8 roues et sa petite benne à gravier là. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose ici? J'ai l'impression qu'il va y avoir du monde, on va se foutre là au garage Merco Benz. Zurich, Genève. T'as toujours pas mieux? Non, Zurich, Genève. Zurich, Genève. Attends, voyons dans les contrats externes. Après, de toute façon... Dijon ou Lyon. Bah, je sais pas sûr qu'on passe pas par Lyon, de toute façon. Attends, je regarde les cartes. Est-ce qu'il nous fait passer par Lyon, ce Kono, carte du monde? Ou pas? Ouais, on repasse par Lyon, pas tout. Prends du Lyon. Allez, Lyon. Prends du Lyon, on repasse par Lyon, de toute façon. Saint-Albin-du-Rhône et Montpellier. Et non, enfin, Marseille, on bifurquera à l'endroit où c'est la merde en permanence l'été. Orange, bon Dieu. Ben non. Ok. Donc, pas tout à charger. Erwan est chargé.
Et Ranma, je sais pas où il est, je l'ai perdu. C'est que t'es. Ah, il est là, il a rechargé, on dirait. Non, c'est lui ça, ouais. Ouais, c'est bon. C'est lui. Allez, ok. Oh, le oh, t'es un bordel ici, mon dieu. Oh, c'est le merdier, hein. Pas possible. C'est bon, Patou ? Je suis en train d'accrocher, ouais. Ok, bon, on commence à prendre la route tranquille. Tu sors, tu prends à gauche, puis à droite. Enfin, bah, ouais, allez, c'est parti. Tu vois bien la route, hein. Hey, allez, c'est parti, on y va, les connos. Fais péter ton frein hydraulique. Hop là. Heureusement que c'est que le frein hydraulique. Ouais. Fais péter la tub. Allez, c'est bon. Parti. On va se faire nos petits 445 km tranquillement. Vidéo en multi, pas sûr d'en avoir fait beaucoup. Hein. Les vidéos ATS2 en solo, j'en ai fait quelques. Rana aussi s'est chargé. Ouais, ouais. Tout le monde est chargé. Faut tourner là. Si je tourne pas. T'as c'est qui passe les rapports à fond. Ah, bah je sais pas. Ouais, il fait gueuler son camion. Merde. Si je fais un 6-2, ça va pas le faire. 6-8, ça va aller mieux. Oh, c'est pas mon magnum, mais il a pas un gros coffre, hein. 500 chevaux, 560 chevaux. C'est le maximum, malheureusement, ouais, ouais. Dans le jeu. Il est pas plus costaud, mais ça suffit pour trimballer là, des petites remorques. Mais j'aime bien, il y a beaucoup d'espace, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est vachement spacieux ce camion. Avec tous mes petits bonhommes Michelin là, qui dansent la lambada. Il panne de partout. J'en ai un, si, deux qui dansent la lambada, la petite tasse, et encore dans d'autres camions, j'ai mis la casquette Michelin. Il y en a un qui oh, Michelin, alors pas du tout pro Michelin IRL. Et là, dans le jeu, j'en mets de partout. En voiture, je suis pas Michelin, pas du tout. Par contre, en moto, si, j'aime bien les gommards Michelin. Ah ouais, peut-être que ça s'appelait. Moi, j'étais bien Bridge aussi. Les BT, les BT-016. Ouais, je vois. Je sais plus que. T'avais des Pirelli Super Corsa. Ah ouais, aussi. Bah, j'ai jamais eu le temps de entre guillemets, de mettre du Pirelli. J'ai pas gardé les motos assez longtemps, puis j'ai pas roulé assez pour trop les cramer, quoi. Ok, ça c'est bon. 70 km pour 80. Putain, mais appuie ce champignon! Fais gaffe, il y a un connard qui jette des cailloux sur le pont, là. Mais non, c'est un fan de Trek qui prend les photos. Ah, peut-être. Ouais, j'ai l'impression qu'il était soit la jumelle, soit l'appareil photo, effectivement. Ah, s'il a la jumelle, c'est un keuf alors. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai mis quoi, moi? Ah, s'il a la jumelle, ouais. Putain, j'arrête pas de me prendre des prunes. Donc, on instaurera des règles, là, parce que j'ai vu que tout le monde prend des prunes, là, sur les trajets. Donc, il faudra. On va faire aussi l'employé du mois. Ouais, j'ai plein d'idées sur ce truc. L'employé du mois, il y a moyen de rigoler, putain. Il y a. Comment ça va? Moi, j'en ai pas pris de prunes, tu vois. Ah, il y a prendre des prunes, moi. Il y a le Franck qui a fait. Putain, il a fait 16 livraisons. Waouh! Wow. Ouais, 16 bien. Livraisons, 300 000 dollars de rentrée. Et bien, c'est ouais, alors je sais pas, il a un drapeau québécois, enfin un drapeau canadien d'ailleurs, pas de drapeau québécois. Il a un drapeau canadien, alors est-ce qu'il est canadien ou québécois? Si, j'en ai vu un qui avait mis en commentaire qui il passait le bonjour du Québec. Ouais, alors j'ai Jonathan là qui m'a envoyé des photos, qui m'a envoyé une photo d'un truck, il m'avait envoyé aussi une photo, je l'ai pas partagée, mais d'un John Deere qui était au déneigement. Il me dit, j'ai pensé à toi, t'as le mec, il a pris la photo et tout, donc petite dédicace à toi, Jonathan, si tu regardes la vidéo, en tout cas jusqu'ici déjà. Parce que ça fait un petit moment, putain, ça fait vraiment, je regarde la montre, la caméra, elle suit le machin, donc on est bien, 400 bornes, tout le monde est derrière, c'est bon les gars? Ouais, pas de soucis, on roule. Bon, faudra vraiment qu'on donne, c'est dommage qu'on ne s'est pas organisé pour Cranma et le TS, mais pour la prochaine, en tout cas, je lui donne. Ah non, mais il a dit qu'il avait pas de micro. Ah, bon, bah écoute, alors, pas de regret, c'est tant mieux. Mais voilà, on arrive à rouler à 4, c'est déjà pas mal, on est presque, on est 16 je crois maintenant, 16 employés et plus moi 17. Bah toi t'as mis un drapeau néerlandais toi? Non. Si t'as mis un drapeau, t'as pas mis un drapeau français ouais. Ah ouais, faut jouer. Ouais, enfin bon bref, après tu peux être néerlandais, si tu veux être batave, hein, c'est ton choix hein. C'est pas un... en italien yo. Ah ouais d'accord, c'est pas un souci mais... Moi, il n'y a pas de drapeau breton, j'ai pas pu le mettre. Oh, arrête de me chercher avec ta Bretagne de merde, putain. On aime bien les Bretons, mais bon, putain, arrêtez de nous faire chier. Surtout quand ils sont vrais, on les aime. Ouais. Oh. Arrêtez de nous faire chier avec votre drapeau noir et blanc, là. Est-ce que je mets un drapeau savoyard, moi? Est-ce que je mets un drapeau moriennais, même plus encore que savoyard? Non, mais un drapeau français. Ah mais nous Bretons, nous sommes Bretons avant d'être français. Ah mais non. Allez, voilà autre chose. Bah ouais, c'est vrai qu'on est Moriennais, nous ici, puis Savoyard, puis Français quoi, c'est ça l'idée. Ouais. Bon, on est encore pas comme les Catalans à chier dans la colle pour l'indépendance. Finalement faire marche arrière, mais bon, ça c'est un autre débat. Ils auraient mieux fait de fermer leur gueule, ouais.
Ouais. Parce que le grand patron qu'ils avaient, là, un grand comique. Mais bon, on parle pas de politique Giovanni, ici. Giovanni, il est en Belgique, lui, ça fiche. Ouais. Ouais, on parle pas de politique ici, on parle que de cul. Hein, tout voilà, ça, de clair. Cul ou de John Deere. Si voilà, voulez. Exactement. Allez, parlons de John Deere. Ça vaut rien quand même, c'est très clair. Putain, quel batave celui-là alors. tu le sais mon amour, quel, quel connard celui-ci, mais c'est pas possible, on va pas s'en sortir, on va pas s'en sortir. Et on roule peinard l'entreprise en convoi sur les routes de France. Bah c'est Juju, il a eu un drop, il, je lui ai refait l'arrière-train. Ah, moi j'ai rien eu, hein, j'ai rien senti. Ah non, bah moi j'ai 50% de dégâts. Ouais, trop petit, oh, trop petit Erwan, j'ai rien senti. Il faut du gros calibre, Juju. Eh, hey, 338, hein, on joue pas à la 243 ici. Hein. Oh, ben, on joue pas à la 22, hein. Oh, mon dieu. Ça n'est pas les petits calibres, hein. Oh, putain. T'as affaire à un bison, hein, c'est pas un lynx ici. Hein. C'est pas une belette, hein. C'est pas une belette. 50% ouais, de dommage, putain, ça va. Ouais, un porte-buse, ouais, exactement. Ça roule encore, Erwan, ou pas? Ouais, ça roule encore. Ah, l'autre jour, j'ai fait un carnage aux ours sur la map Taïga, là. Hein. Ouais. C'est bon, ça fait plaisir quand tu fais des... Des fois, tu tombes un peu chanceux, et puis... Ouais, mais en fait, il tombe plus du premier coup, hein. T'as beau foutre des balles, c'est fini, hein, c'est fini. Te fonce dessus, c'est connu, hein. Ah, il charge, je connais, je connais. Ouais. Je me suis fait griffer la bite la dernière fois, et... je m'en souviens encore, il était en lambeau, il pendait par terre. Oh la vache. Mon dieu. Ah, toi aussi, t'as une troisième jambe. Ouais, ouais, bah attends, c'est la cale, hein. Quand je suis crevé, je me penche un peu en avant, c'est bon. Oh non, 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 non. C'est pas possible. Vous avez dit, on parlait pas de politique. Hein. Alors, en même temps, alors, le gros cliché, on est chauffeur routier. Hein, donc, oh, le cliché. T'as encore failli m'entrer dedans? T'as eu le coup de drop, là, de nouveau, Erwan? Ouais. C'est le serveur, je pense. Ouais. Ouais, parce que moi, j'ai aucun... Enfin, ça se passe bien de mon côté. Ah, mais moi, j'ai des travaux en ce moment. Chez moi, ils passent la fibre, donc... Aïe. Ah putain, bah alors c'est bon, s'ils faisaient des travaux pour ça, c'est bien. Oh, ils étaient devant la maison hier avec le tour, c'était beau. C'est pas trop problématique ça, tu veux bien attendre. Hein. Moi, non, je prends mon mal en patience. J'aimerais bien qu'elle arrive un jour ici. Ah putain, j'aimerais bien qu'elle arrive un jour ici quand même, hein. Ça pourrait être pas mal. Hein. Surtout que dans les stations ils l'ont, c'est le plus fort. Mais dans la vallée, ils nous l'ont. Ah, mais c'est normal, oh, putain, tourne tout, je me demande, c'est pas quand. Il y a les sauvegardes. Il y a les sauvegardes maintenant automatiques là. Avant il n'y avait pas ça. Les sauvegardes automatiques plus sur le Truxbook s'il y a des. Il y a des. Ouais, toutes les. Tous les je sais plus à quelle fréquence effectivement ils prennent les. Pardon, ils prennent les infos parce que si vous avez. Je sais pas si vous avez regardé, mais il y a la vitesse maxi, il y a les machins. Ouais, c'est, moi je l'ai réglé. Ouais, il y a tout, il y a tout. Le nombre de litres, etc. Franchement, c'est bien. Et c'est tout automatique, c'est ça qui est de la bombe. Ouais. Par rapport au Pro Driver où on était avant, il fallait tout prendre le petit papier, etc. Il y avait un temps limite, etc. Ça alors, moi j'y suis encore sur le ça Pro Driver. Moi perso, ça m'a saoulé. Ah non, pas moi. Trop moi, compliqué. Oh non, au contraire, la fiche, ça apporte une simulation en plus. Ah bah, on est d'accord. Là, question simulation, ça apporte encore un truc en donc plus. Donc c'est pour ça, moi je suis avec toi en Pro Driver, mais avec la team Safirinko, je suis avec toi en Truxbooks. Et avec la team Safirico, je suis un pro driver. Ouais, mais. Et nous, pour rien. Je sais que la team Safirico, pour rien au monde, on passerait sur Trailsbooks. Hein. Ouais. Non, mais après, voilà, moi, c'est vrai que ça. Mais on avait attaqué, nous, avec Kevin à l'époque. Puis c'est vrai qu'après, Kevin avait un peu abandonné parce que t'étais obligé d'être sur le multi. Puis bon, sur le multi, c'est toujours particulier. Parfois, t'as affaire à des débiles, donc c'est un peu compliqué, quoi. Bon, bref. Nous, c'est pour ça qu'on joue sur Europe 1. Ouais, Europe 1, parce qu'il y a du monde sur Europe 1 en général, non? Il y a moins de monde et c'est beaucoup plus strict. D'accord, ah ouais, ils vous fliquent un peu plus. Bah déjà c'est 90 pour tout le monde. Bon, on simple. Est pas tout, on est à Lyon là, non? Ouais, c'est ça. Tu, je dois tourner à gauche. Tu livres? Ouais. Ranma, il va où alors finalement? Il est à Lyon, il est à Marseille? Bah, attends, là, on lui demandera qu'on soit arrêté. Par contre, celui-ci, je peux pas enlever le GPS puisqu'il en a pas. Camion du pauvre. Non, mais c'est vrai. Même temps, c'est un Renault en même temps. Hein. D'habitude, c'est vrai qu'il y a les autres où t'es en moitié. Mais d'ailleurs, Radma, c'est lui qui est passé devant moi. Je pensais que c'était Erwan, moi d'ailleurs. Parce qu'ils ont tous non, moi j'ai eu du mal à démarrer. Pourtant, avec un Scania, c'est étonnant. Ouais, mais avec. Combien avec t'as... des dégâts, ça fait. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui. Pas je vais m'arrêter. Je suis en train de livrer, ouais. T'es en train de livrer, ok. Je m'arrête vite au garage. Je vais réparer ça, parce que sinon je vais pas tenir la route.
Alors là c'est bon, attends, on va juste mettre un message ici. Hop. Hop, attends, deux secs, Ranma, un demi. Hop là. Voilà. Ah, il a tout compris. Mais il a pas de micro, mais il comprend tout, c'est magique. Deux secondes. C'est magique. T'as du Marseille ou pas alors le Patou? Attends, je suis en train de reculer. Recoule, Roule, roule. recoule, bonjour, recoule. C'est vrai. Direction de John Deere, tellement c'est mou. Putain. Ça Moi, je passe dirais pas. plus la direction d'un Fendt. Non, tu parles. Tracteur de J'ai connu un merde. Fendt, je peux te dire, c'est pas mou du tout. 936 en plus. Putain, les Un double mecs. essieu. Ben, t'as vu la vidéo, mon juju? La vidéo sur ta page, toi? Oh, non, sur que je t'ai envoyé. Ouais, alors attends, parce que j'ai toujours le truc, mais j'ai encore. Oh putain, qu'est-ce que se passe là? Il y en a qui me rentrent dedans ou c'est. Ah non, 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 Adieu non, non. là. Oh, adieu. Adieu, j'ai un camion lowrider. Hop, hop, hop. Pas de soucis, j'ai compris avec ton coup de klaxon. Allez, Mais c'est c'est bon, moi je suis magique, arrivé t'es là. magique. Merde, merde. Arrête. Je décroche la remorque, moi, comme un connard. Oh là 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 là, va pas me la faire tomber dessus. Toc. Ouais, impeccable. Donc on a Erwan. Ouais, ok, on est bien, on est bien. T'as déjà réparé, Erwan, c'est bon? Putain, mais t'es efficace. Il est efficace. Pas Scania, mais cela. Et le patou, ça dit quoi? Alors attends, voyons, je m'approche. Qu'est-ce qu'il propose? Ça charge ou ça charge pas? Offre de fret. Dijon ou Montpellier? Je... Bah on va à Marseille quoi. Ouais. Bah si tu vas à la limite, tu suis, tu Voilà, je charges me suis pas, tu envie, ça va suis. aller, je m'en Allez, on fous. y go. Hey, let's Allez, go, on est c'est parti. parti. C'est parti, mon kiki. De toute façon, en plus, sur cette partie-là, je me suis monté quasiment un camion de tout. J'ai un Merco. J'ai un Volvo en 8 roues à venir pour les grosses cargaisons. J'ai le Scania en 6 roues. J'ai le Magnum. J'ai le DAF. Eh J'ai monté un de chaque, comme ça, au gré des envies. peut changer. T'as téléchargé le nouveau DLC, Juju? Le nouveau DLC, mais il est pas sorti, le truc, si? Si, Hier. hier Ah, il est soir. sorti! Ah Ah, ouais, je l'ai bah. là. Il est à Et. 5 euros. 5 euros, pas plus? Oh putain, je Non. pensais que ça allait être plus Bah, cher. 4,99. Ouais, bon, ouais. Non, bah, je vais le prendre bah, ce soir. Ce soir, je Moi, prendrai. je l'ai essayé. Ah, par contre, apparemment, tu peux pas encore aller sur le multi avec. D'accord, bon, bah, écoute, après, c'est pas Donc en programmé. solo tu verras, t'as les voitures, T'as les qui vont voitures t'ouvrir, qui. t'as les flics des fois qui ferment la route et tout. Putain, c'est magique ça. Franchement, j'ai vu 2-3 vidéos sur STS Software, là, sur la chaîne YouTube. Franchement, oh là Ah, là. je regardais des lives hier soir sur Twitch et Mythique. Ça a c'est l'air ouais. d'être mythique. Allez, on fonce, Patou. Double-moi si tu veux, Patou. Ouais, parce que je me traîne là. Hein. On dirait un John Deere quoi. Bah écoute, je suis quand même à 95 en pointe, bon, 12e, faut le temps que ça se lance. Hein. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que je traîne, moi. En 21 tonnes quand même, ouais. Ouais, Dieu, queue de poisson là qu'il fait lui, la queue de poisson, hop. Allez, poussez-vous! Ce qui est bien, c'est qu'on peut désactiver en fait la caméra qui suit. En fait, ça peut être pratique à certains moments parce que sinon, c'est vrai qu'il y a des fois, t'as l'impression que tu sais plus où tu campes. Donc hop, ça se remet. Par contre, il y a une assignation de touche. Ça me change juste le truc du GPS, mais bon, ça c'est pas trop grave. Allez, on est bon, on y va. Hein. Allez, le Être péage. Traînez pas devant au péage, hein, parce que j'arrive, hein, j'arrive. Salut les Francis. Salut Maurice. T'as vu, c'était Maurice. C'était Maurice. Il est où, Radma? Je le pose, je le pose, je le pose avec mon Magnum. Allez, c'est parti. On va essayer de pas lui rentrer dedans. Non, c'est bon, il est pas là. Il est pas là, il est pas là. C'est un contrat externe, Erwan, que t'as? T'es bridé là ou quoi, non? Ah ouais. Ouais, t'es encore en contrat externe? Moi je roule quasiment que en contrat externe. Putain, mais il y a des pilotes, il y a des Ah la pilotes. vache. Putain, il y a des pros du driving. Il y a des pros du driving. Allez, il reste 200 bandes, tranquillouze. Bah, ça va faire une bonne vidéo à ETS2, hein, putain. D'habitude, on fait pas aussi long. Mais c'est-à-dire que tout seul, aussi long, ETS2, Ah, tu te lasses vite, ouais. bah, il faut meubler quand même un petit peu, hein, Ouais. malheureusement.
Faut avoir des choses à raconter. Ça va, sur ça, on te fait confiance. Hein, mais ouais, non, j'y arriverai, c'est pas le problème, mais c'est vrai que raconter des conneries, tu sais, ça débite, hein, comme on dit. Oh putain, qu'est-ce qui me faisait faire ce con? Même de cheval, là, ça débite. Ouais, ah, mais vous voulez me faire sortir, tu vois, et prendre une petite route, je pense. Oh purée, punaise. Oh les gars, tu t'es arrêté, oh. Bah, c'est le serveur. J'ai une Oh punaise. Les gars, ça y est. Ouais, poussez-vous. J'arrive. Oh putain. C'est le serveur. Mais ils sont où? Il s'est arrêté pile. Oh la vache. C'était... J'ai pas fait gaffe si c'était une sauvegarde, tiens. Si, c'était une sauvegarde. C'est reparti ou pas? Vous êtes cassé? Ouais, c'est bon. C'est reparti? Bon. J'ai quand même endommagé maintenant. Moi, je rule, hein. Je rule tout droit. Air de... Pourquoi il veut me faire passer par les aires d'autoroute? Mais il est complètement con, ce machin. Il me fait sortir à l'aire d'autoroute pour reprendre derrière. Il faut pas que tu te reposes? Non, j'ai désactivé ça. Ah. Ouais, non, ça casse les couilles. Non, je file, 100 km/h, allez. Allez, filoche. On va se mettre le régule, on va mettre les pieds à la fenêtre, et puis on va allumer le PC, hein. Regarder une vidéo de Farming Savoyard, peinard, comme ils font, hein. Et puis ça ira bien, reste sur la route, Colin, reste sur la route. Bon, bah c'est bien, ça va se terminer tranquillement. On aura eu 2-3 accidents. Quand du serveur, hein, c'est pas nous. 2-3 shoots. C'est tu vois, c'est les lags là qu'on n'a pas sur Europe 1. Tu trouves? Ah ouais. Bah prochaine fois sur Europe 1, là, hein. C'est vrai que je savais pas qu'il y avait des différences 2, de co quoi. Europe 2, mais il est vide plein en plus. Il y a eu le nouveau DLC, donc il y a l'effet aussi DLC Italia. Mais Europe 2, il est plein tous les jours. C'est marrant. Et ça va jusqu'à Europe 6 quand même, hein. Non mais ce week-end ils étaient jusqu'à Europe 8. Ouf. C'est marrant parce que c'est un jeu qui se démode pas quoi, ça depuis non, il sort tout le temps des DLC donc. Il a eu du mal à partir franchement, parce qu'au début on n'était pas beaucoup à jouer dessus. Hein. C'est impressionnant hein, quoi. Moi je l'ai depuis le début perso, j'avais même Euro Truck Simulator, le premier du nom, hein, où tu faisais des traversées jusqu'à l'Espagne depuis le haut de l'Allemagne, où il y avait des missions où fallait pas te prendre une prune, fallait pas avoir d'accident, fallait pas... Le premier était assez drôle. Tu conduisais pas en vue, enfin en tout cas je conduisais pas en vue intérieure, je conduisais avec le clavier le clavier de l'ordi tout simplement. Donc c'était assez drôle et puis... Mais c'est vrai que celui-là il est vachement suivi quoi. Des DLC il y en a en permanence. Parce qu'ils arrivent à avoir aussi les contrats avec les marques officielles. Ils ont les licences, ouais. Bah ouais, donc ils là j'ai vu ils ont commencé en train de faire des photos pour les futures conceptions 3D des remorques Schmitz Cargo Bulls. Ah ouais, les Schmitz Cargo Bulls, ouais, qu'on connaît. Moi, c'est celles qu'on utilisait à l'entreprise, elles sont géniales, celles-ci. C'est de la balle. C'est de la... Les Lambéret. Les frigos Lambéret. Ouais, ouais. Bah, ils sont sympas aussi, hein. Les chers aussi. Ouais, bon, pour moi, techniquement, je connais juste les noms. Hein, parce que, j'ai jamais conduit de camion. J'avais une préférence pour les Schmitz. Je préfère les Schmitz. Ouais, Schmitt, vous êtes derrière, ouais. Les gars, parce que je vous vois plus, hein. Enfin, tu me diras, je suis à 100 moi, donc forcément, si Rouen est coincé à 90, ce qui est pas de me rattraper. Allez, en tout cas, je vais essayer d'aller livrer et terminer rapidos et puis aller au boulot parce que mine de rien, hein, c'est bientôt l'heure. Mine de rien, on va pas être à l'heure, hein, c'est pour ça que je mets dedans, hein, ben Dieu, mets dedans. Mais t'emmènes ton PC au boulot quoi? Oui, bah bien sûr. Oui, je joue de ma manière là au boulot. Ouais, je jouerai sur le ah. Trajet. Voilà, sur le trajet, mais avec le téléphone. Tac, je mets le jeu sur le téléphone. Hop, je joue, je conduis, je tourne mon téléphone comme ça. Oh là là là. Avec ma bouche, je fais le bruit du camion. Le patron, comme ça se trouve, il s'est dit c'est parmi le surveillant, on va le laisser. Oui, bah oui, oui. Bien sûr, oui. Exactement, tout à fait. Vous êtes bien d'accord, le patron. YouTube Money. Ouais, YouTube Money, exactement. Oh, ben Dieu, faites gaffe, il y a la douane. Si vous avez un ou deux... J'arrive au péage, là. Un ou deux, je viens de passer. Un ou deux contrebandiers. Faites-y gaffe. Les Roumains d'aller sauter. Ouais. Faites-y gaffe. Bon, et je vous ai pas demandé, parce que j'ai déterminé moi-même le skin de l'entreprise, mais ça va, ça vous plaît, c'est pas trop moche? Oui. Ouais, t'aurais pu mettre un feint, mais bon. Mais y a pas de John Deere, c'est sûr que si j'avais pu avoir John Deere, j'aurais mis John Deere, mais... Ah, ça, je m'en doute, ouais. Mais non, ça va, j'ai toujours eu des camions bleus, en règle générale, d'ailleurs. J'aime beaucoup cette couleur-là, et puis après, le petit sigle, bon, après... Mais j'étais pas certain que cette peinture-là ne faisait pas partie d'un DLC, genre, le coup, j'ai hésité.
Et puis j'ai dit, bon, bah tant pis, on changera s'il faut changer, c'est pas le problème. Mais a priori, tout le monde peut. Oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. Tout le monde là, donc. C'est impeccable. Ça passe. C'est impeccable. Alors, du côté de l'Italie, Nice, Nizza. Je sais pas si vous avez fait Nizza, gaffe. La belle. Ouais, hein. C'est Nizza. La Med. Où est la Med? Est-ce que je vois la mer là-bas? Non, rien du tout. Je ne vois pas la mer. Je ne vois pas la mer. Avec ses belles plages de sable blanc. Ouais, à Nice, surtout à Nice, ouais. Et le sable est très très fin là-bas à Nice. Oui, oui, tu connais le skate forestier quand il y a les Italiens qui viennent à Nice. Ah, oh putain, je suis à 120, moi. Ma que porca madonna. Ma che cosa fai? Ma che questa è so. Ma che bello, ciao, come stai? Allez, passe dans les tunnels à 120, mais ça fait pas de problème, il n'y a pas de soucis, regarde ça. Mion. Puis le jeu, franchement, là, il tourne, je suis à 80 FPS minimum. Ah, il est fluide, ouais. S'il n'y avait pas ces histoires de serveur, là. C'est fluide ou hein, impeccable, hein, franchement. Allez, 12 km, Marseille, sortie. Je décroche ma remorque et je filoche. Je vais sauter en route, d'ailleurs. Allez, hop, hop, je saute. Ah, je saute. Non, oh là, la blague. Oh, putain, ça, vous pouvez pas faire sans un traquier. Vous pouvez pas faire, ça. Ils vont tous en avoir un. Le mec m'a pas répondu, ce salopard. Je lui ai dit, si tu veux, je peux te faire vendre 2-3 trucs, mais... Ah ouais, qu'il fasse une promo pour toi. Ah ouais, ou qu'il fasse un petit truc, ou qu'il sur le nombre, s'il arrivait à en vendre X, il m'en offrait un, que j'en ferais à quelqu'un d'autre. Ah ouais, genre, voilà. Ouais, l'idée c'était ça, bah, j'ai jamais une réponse. Un petit concours de Noël, hein. Oh, ouais, ouais, non, surtout que, franchement, ouais, ça pourra même se faire, on verra bien. Ah ouais, moi, en plus, le track à acheter, puisque la webcam, je l'ai sur la ouais, donc... Si vous avez même la, parce que moi j'ai la PS3 Ice, donc tu vois, c'est vendu avec, hein, c'est 49 balles, t'as la PS3 Ice qui est une caméra de merde, hein, alors vraiment une caméra de merde. Ah, mais tu t'en fous. Mais de toute façon, c'est pour voir 3 points, c'est tout ce que, après, j'ai... D'ailleurs, il y a même un filtre à l'intérieur, puisqu'il met un filtre à l'intérieur pour que, vraiment, qu'on voit que l'infrarouge, je vois même pas ma tête, on voit rien, je peux même pas me voir. Il est intégré. Ouais, ça sert juste à capter le. Ça sert juste à capter l'infrarouge, ouais. les 3 points infrarouges, c'est tout ce que ça sert. Moi j'en ai pas de canne donc. Donc bah tu prends le truc complet comme j'ai moi. Ah non, moi je prendrais que le. 49 les 3 points, ouais. 49 balles au lieu 49 de. 49 balles, la cam est comprise dedans. Tout, c'est tout compris dedans. Et. Merde, qu'est-ce que je fais? Ah putain, je fais de la merde. 49 balles, putain. Ouais, non, c'est pas cher. Hein. Y a rien à dire. Hein. Un vrai traquier, le vrai traquier, ça coûte 200 balles le tout. Bah bon, j'avais vu le site traquier, je sais pas si c'était celui-ci. Mais 259€. Ah non, mais c'est un truc de marteau. Hein. Et franchement, je suis pas certain que ça fasse mieux que ça. Hein. Mais bon, t'as la marque quoi. Lui, le mec qui fabrique son truc, lui. C'est 3 bouts de tête infrarouge et puis un truc en ABS. Vous avez pas passé le même chemin que moi, c'est marrant. Et puis le PS3 là, ça coûte 20 balles sur internet, 15-20 balles, il te fait le pack, t'as 49 balles, ça arrive à la maison. T'as moyen de mettre le lien de ces 4. Mais ouais, je te le redonnerai le lien, pas de soucis. Ouais, je veux bien. Je te l'enverrai en direct, mais je l'avais remis, ouais, parce que le mec il les fabrique, il lui en reste, bah c'est marqué sur eBay, c'est sur eBay. Il les fabrique, ça vient de France, c'est fabrication française, je sais plus comment il s'appelle. La boîte mail c'est Wafi82, mais... Mais le gars, j'avais vu le nom quelque part, mais bon, c'est pas très grave en soi, on s'en fout. C'est un cono, de toute façon. C'est un cono. Bon Dieu, mais des 12 km, ils sont plus longs qu'en faire 200. C'est ça qui me fait toujours délirer. Tu roules sur l'autoroute, peut-être ça passe à une cadence, les kilomètres, puis dès que t'arrives en ville... Quand on arrive en ville... Oh non, non, pas ça. Change de trottoir. T'as pas l'air viré. Oh ben Dieu, bah, je m'en vais. Allez, je pose la remorque ici. Je vais te poser la remorque au milieu de la route, tu vois, comme ça va te faire drôle. Et en plus, on arrive sur le port de Marseille, hein. Mais le port autonome. Hein. Oh, facha. On n'est pas sur le... Ah là, j'ai réparé mon camion. On n'est pas au vieux port, hein. Hop, regarde, ça passe, ouais, pas de problème, vas-y Maurice, laisse suisser. On est à Willnet Transport, putain, ça me rappelle des choses, ça, sur le Pro Driver, je n'ai là. Willnet Transport, hop, regardez ça, le port autonome de Marsilia. Allez, où c'est que ça se passe? Oh, putain! C'est peut-être... Non, avance, c'est peut-être avance. Après, ouais, c'est... Oh, putain, j'ai calé en 7ème avec 21 au cul, ça part pas. Manque de chic. En général, non, ouais, ça part pas. Il manque de chic, ce Magnum, bon Dieu. Mais bon. Galère aussi pour monter dedans. Je voulais me faire plaisir aujourd'hui avec le Magnum. T'es Magnum? Le Magnum? Eh, hey, salut, c'est Magnum.
Eh ben tu vois que Patou il est aussi de la chansonnette. Allez, où c'est que ça se passe là, ici? Eh d'ailleurs, attention Julien, est-ce que tu me reçois Julien? Je te reçois Patou, je te reçois. Ça a marché ou pas? C'était une vraie CD? C'est presque, C'était pourri. Bon, merci. Oui, je voulais pas te le dire. Oh, bah, non mais si c'est pourri, il faut le dire, faut pas se faire chier. C'est pourri. Allez, impeccable, hop, on détache et je me casse. Je suis à la maison. Hop. Eh ben écoute, c'est impeccable, encore une livraison excellente. Merci Smithers. Ouh, puis en plus, non, je veux pas du longue distance, je veux que ça me rapporte des ronds, moi. Hop, voilà, j'ai passé un level, je fais enregistrer. Et ça se passe bien. Et bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Franchement, ça aura été long, hein, je pense. Merci à mon Patou. Merci à toi, moi, Julien. Merci à Erwan. Merci à toi. Et big up à Ranma 1,5 également, qui était avec nous par la pensée, mais pas par la parole. Merci à toi, Ranma. Allez, à très bientôt, les gars. On se retrouve ciao, prochainement pour une vidéo ETS 2 et pourquoi pas cette fois-ci en live. Ciao, bye bye. Ciao, tout le monde.